prison, ce n'est pas seulement des hauts murs, ce n'est pas seulement de la sécurité. C'est aussi un lieu où l'on tente de préparer la réinsertion des gens qui nous sont confiés avec les moyens qui sont les nôtres. Et c'était l'occasion pour moi, en vous souhaitant une bonne soirée, de souhaiter bonne chance à celles que nous gardons pour leur dire que même quand on est en prison, je crois qu'on ne doit jamais perdre l'espoir. Je vous souhaite une bonne soirée. Donc demain 8h30, et après on va voir à quelle heure vous pouvez venir avant le 7-4 pour rester avec vous, se maquiller et tout. Hein? Super Liliana, bravo. Je pense que ça apporte beaucoup de rêves et beaucoup de ressources dans l'imaginaire et dans, en tout cas dans tout ce qui s'est passé, c'est toujours ça de gagner. Quoi. Tous les jours qu'on a vécu, là, c'est 3 mois intenses et je pense qu'ils vont pas disparaître comme ça. Quoi. L'œil, le regard de la société par rapport aux personnes qui sont incarcérées et le regard de la personne qui est incarcérée par rapport à l'extérieur doit changer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la production. C'est-à-dire d'arriver à un très haut niveau pour vous porter à ce niveau-là. 2, 3 et 4, 5 et 6, reste, 7, 8, descend. Posés sur nous, les yeux et les mains des maçons nous ont collé le chagrin. Nous sommes à toi et rien qu'à toi. Tout parle de moi. Tout respire et tout m'adore. L'amertume de constater que la vie s'écrit à la plume. Tu vois, ne sors pas de la rue. Mais je te raconte que ce que j'ai vu, d'autres l'ont vécu, et que je l'ai entendu. Tu vois qu'on vient de la campagne ou de la rue, on mène tous la même campagne et les mêmes combats. Entre toutes les sœurs et tous les frères, qu'importe la couleur, on est tous solidaires. La réalité nous fait un face-à-face. Faut pas se voiler la face.
C'est pas le système qui nous fait vivre. On subit et on survit au système. On a des choses à dire et on compte bien les faire. On a des choses à faire et on compte bien les dire. Même si on craint le pire, on ne se laissera pas faire. Nous, ce qu'on veut, c'est sortir de toutes ces galères. J'en ai marre de ce système qui me donne la migraine. Toujours la même rengaine qui me pousse à cette haine. J'ai envie d'écouter d'autres refrains qui ne mettent aucun frein au destin que je détiens et qu'on veut mettre entre mes mains. Mais en attendant des jours meilleurs pour demain, je me la roule, je me l'allume, je me la fume. Monsieur le ministre. C'est vrai que le but du projet, c'est de humaniser entre guillemets la prison. Les détenus, bon, c'est pas parce qu'on est détenu qu'on s'est trompé, on a fait une erreur de parcours, qu'on s'est planté, que ça y est, on est plus rien, on est des déchets, on est des cas sociaux. Non. Mais tandis que lui, son but justement, c'est de nous donner un peu plus d'importance. Et on va dans son sens. Donc pourquoi pas faire l'effort d'avancer avec lui, quoi. Mais non, il n'y a pas de compétition entre nous, c'est pas le but recherché. Et puis même Philippe, quand il nous a expliqué, il nous a pas mis en situation à nous critiquer, nous, non, il nous a tout de suite mis dans une situation de confiance, de créativité, de donner ce que vous pouvez, ça me satisfera. Mais moi, je me languis là, la fin du mois. Oh, et puis en plus, on va le faire déjà devant nos familles. Bon, j'aurai pas la chance de voir la mienne. Tu veux marcher dans l'illégal, attends-toi à tomber aussi. Faut pas croire, c'est pas à la portée de tout le monde. À part, bon, si t'es un... Bon, bref, peu importe. Mais... quand tu as... Tu perds tous tes moyens ici, que tu n'as plus contact avec personne, que par courrier, que la tendresse que tu as déjà pu aussi. Tu t'aperçois quand même que dehors, t'es pas si malheureux que ça, même si t'as pas de millions. Quoi. Tu la tiens, tu la tournes, et quand tu sais qu'elle est prête, tu y vas. Pas que toi tu pars, tu la laisses tomber, ça casse la gueule, pas prête. T'as compris ? Tu arrêtes de me laisser tomber. C'est-à-dire, tous les mouvements, d'abord tu poses ta jambe, et après c'est ton buste, et après ton bras. Quand tu arrives là, tu as ta jambe et ton buste il continue. C'est-à-dire, c'est pour ça que ça donne un mouvement qui est très, comme tu disais, les mouvements de transe. Parce qu'il n'y a aucun moment où ça s'arrête, ça fait bon.